on the periphery. Ça, tu fais prendre la caméra. Ouais. 40 personnes. Allô? Anybody there? Ça va être en mer? C'est quoi la différence? Hein? C'est quoi la différence?
qu'on est dans ton chemin. Là? Ah, ben, je ne savais pas. Tu vois? Un hélicoptère qui les a accrochés. Ben, je comprends. Alors, qu'est-ce que tu vois? Ben, c'est les gens de l'hélicoptère. Comment il y a des personnes de l'hélicoptère? Mais peut-être que ça a marché, mais il l'a raté. Ah, c'est d'allumé! Ah, ben quand il y en a qui descend, il faut que l'autre monte, hein? Je pense. C'est quelque chose. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut commencer notre marche? Ouais. Bon, maintenant, c'est quelque chose. Tu vois-tu la plaque en bas? Non. Bon, maintenant, c'est quelque chose? Ouais. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Il y a personne qui l'a décrit. Si tu allais chercher avec le zoom en bas, tu verrais pas? Yeah!
Okay, ça va. Bien. Ouais. Gros géant. Regarde les grosses vis. Alors, on y fait une petite vis après une autre, après une autre, après une autre. Ouais. Oui, David, tu peux tout. Let's go. Ok, let's go. Let's go. Ouais. On est sur un pont. Là, je peux même pas voir ce que ça a de l'air en bas. Là, la belle vie de Québec. C'est un précipice qui est en bas. Je peux même pas voir. Simon dit reportage. Mais contrairement à ce que j'aurais pensé, cette côte, je croyais qu'elle était faite de sable. Si on la regarde à la première vue et de loin, on jurait que c'est une côte de sable qui simplement qui continue à descendre jusqu'au vallon de la rivière Morancy. Mais, à ma grande surprise, il y a des plantes qui poussent. Et de plus, si on regarde comme il faut de près cette matière qui compose cette côte, c'est de la roche, en fait. Alors, contrairement à ce que je croyais que c'était du sable, ce n'est pas du sable, mais bien et belle de la roche, de la silice. Regardez ça de près. Alors, la côte est faite de tous de ses composants. Alors, c'est pourquoi que ces marches ont été bâties pour descendre le long des murs, des chutes. Et contrairement à ce que j'aurais pensé qu'il aurait pu s'écouler à cause du sable, eh bien, c'était le contraire. C'est de la roche au complet qui retient cette structure et qui ne pourra jamais s'effondrer finalement tant et en autant que le bois de cette rapport aux intempéries de la nature. Et voilà, on descend. Ça descend toujours. Ça, c'est le pont lorsqu'on a traversé à un moment donné que j'ai filmé par en bas. Sans trop savoir à quoi je verrais dans la creuse. On va tout traverser. Et voilà le précipice qui en résulte entre l'inclinaison de ces deux montagnes qui se rejoignent. Ici en bas, il y a un tas de morceaux de bois
Donc, essayez de commencer à inciter cette côte. Même spot, on peut même s'approcher. J'ai l'impression qu'il y a un prix à payer. Voilà, Simon de Rivage encore au reportage. Je ne peux cesser de m'arrêter à cette côte qui est entièrement conçue de roches qui monte à un escarpement absolument exagéré. Et voilà ma petite famille. D'observation qu'on les jette. Bon ben là, alors, c'est la baignade. Alors, ces touristes qui veulent s'aventurer, de se rapprocher des chutes, doivent absolument se mettre en position, car à partir de ce moment-là, les chutes, la vapeur d'eau qui s'en exulte ne fait que rafraîchir nos visiteurs. Allons voir ça de plus près. Alors voilà, nos touristes qui s'aventurent, et un autre aussi d'ailleurs. Mais alors, le vent et la fraîcheur qui s'abat sur nous donne l'impression que nous sommes en pleine pluie. Ils ont pris un gage de s'aventurer pour 10 secondes, être sur le bord où est-ce que le chute frappe. Et je vous assure, avec le son que nous entendons, c'est très impressionnant. Regarde comme vous, tout le long du flanc de la montagne, c'est tout plein de petits chutes qui émanent du rocher. Alors nous tous, ça sont vraiment trempés.